TV Liberté, bonjour. Nous avons la grande joie ce matin de recevoir un très grand écrivain. Et je vais en remercier Didier Carrette, ici présent, et Françoise Monestier, dans les coulisses, d'être à l'origine de cette rencontre, parce que je lisais Luc-Olivier d'Algange depuis des années, depuis au moins 25 ans, et je rêvais de le rencontrer, et donc grâce à vous, c'est fait, grâce vous soit rendue. Et je voudrais vraiment signaler aux téléspectateurs que nous sommes en présence d'un très grand écrivain. Bonjour monsieur. Bonjour. Et bonjour Didier. Bonjour. Vous êtes né à Göttingen en 1955, et cela commence comme une chanson. Vous écrivez discrètement, je dirais même presque secrètement, mais avec des lettres de feu. Les écrivains que vous aimez sont des êtres de feu. Vous aimez particulièrement Léon Blois, Bernanos, Gérard de Nerval, qui ne sont pas particulièrement des êtres rationnels au sens strict du terme. Vous aimez aussi Pierre Boutan, et vous dites de lui, enfin il dit plutôt des écrivains, nous ne sommes que des rêveurs, songeurs et chanteurs. Mais en fait, cette définition s'adresse particulièrement à vous. Oui, et à tous les auteurs que j'aime, qui maintiennent une sorte de, qui essayent de œuvrer à la recouvrance d'un équilibre entre la raison et l'imaginaire, entre la nature et la surnature. Et vous citiez Nerval, évidemment, Aurélia commence par le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu franchir sans frémir ces portes de corne et d'ivoire qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont semblables à la mort, etc. Et une vita nuova commence. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans ce rêve, dans ce consentement au ressac du rêve et au ressac des réminiscences, Nerval nous fait advenir toute la culture européenne, puisque bon, les portes de corne et d'ivoire, c'est Virgile. Vous citez Dante. Voilà, la vita nuova, c'est Dante. Voilà, il nous conduit vers la gratitude que suscite la réminiscence. Ouais. Est-ce que notre monde ne crève pas de rationalisme? Est-ce que nous n'avons pas besoin justement d'un réenchantement? Ah oui, c'est-à-dire que le rationalisme est contraire à la raison elle-même. Hein, c'est-à-dire que c'est Chesterton qui disait, le fou, c'est celui qui a tout perdu sauf la raison. Ouais. Le chant est une forme de raison supérieure. D'ailleurs, Pierre Boutan dit très bien qu'il y a une sorte de poésie qui va se réaccorder à la raison, et la raison va elle-même redevenir enchanteresse. Puisque le chant, au fond, c'est le rythme, c'est la cadence, c'est la prosodie, c'est la raison d'être. Au fond, l'enchantement, ça serait de retrouver une raison d'être. Absolument. Raison d'être. Oui, bah, très belle expression d'ailleurs, presque intraduisible. Ouais. Oui, après la raison d'être. Ouais. Il y a une autre définition que vous donnez, que j'aime infiniment, c'est « il existe une prière de l'intellect qui est pure théorie, c'est-à-dire contemplation ». On a l'impression que cette définition est d'une vérité immense, mais qu'elle est complètement oubliée de nous, entre guillemets, intellectuels. La contemplation, ah oui. On a l'impression, d'abord, ils ne peuvent pas contempler puisqu'ils sont complètement déconnectés du réel, ils ne le voient plus. Voilà. Je ne sais pas qui a dit l'éminente dignité du réel, ils ne le voient plus. Oui, alors ça, c'est un grand signe des temps, c'est cette façon de passer à côté de la présence réelle des êtres et des choses. Ouais. Et donc de bafouer la simple dignité qu'ont les êtres et les choses à exister. Et je me souviens plus de la suite. Ah, la contemplation. Ah oui, la contemplation. La contemplation qui me paraît... Oui. On n'est plus en effet dans la contemplation, on est sans arrêt dans l'action, le communiqué, la manifestation. Voilà. La contemplation, voilà. C'est un... Oui, oui. Oui, il y a une très belle phrase de Julien Gras qui dit... Tant de mains pour transformer le monde et si peu de regards
pour le contempler. Et je pensais aussi à Gomez d'Avila qui disait « Une civilisation dont la raison d'être n'est pas la contemplation, n'est qu'un grouillement de râpes pestilentielles. » La phrase de Gomez d'Avila extraordinaire. Oui, voilà. Contempler, c'est entrer dans le temple, voilà, et de, que ce soit la nature elle-même qui est un temple, comme disait Baudelaire, là aussi on retrouve toute une chaîne d'or, toute une catena aurea, depuis Pythagore, etc., jusqu'à les ordres contemplatifs. Et la poésie elle-même, qui est une tentative de refuser l'abstraction, finalement. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça, c'est qu'effectivement, l'intellect n'est pas l'abstraction. L'idée n'est pas abstraite. Elle doit être charnelle, voilà. Sinon elle n'existe pas. Voilà, et d'ailleurs, l'idéa, c'est la forme, hein, au sens grec du terme. C'est-à-dire que, voilà. Et il y a une gradation infinie, on est toujours dominé, enfin justement, les intellectuels, entre guillemets, ou par antiphrase, on pourrait dire, sont toujours dominés par l'idée qu'il faille séparer le sensible et l'intelligible, alors qu'il y a une gradation infinie entre le sensible et l'intelligible, qui s'éprouve et qui se chante, justement. Et c'est encore une source de désespérance, parce que... Je crois que c'est Chesterton qui nous dit « Notre monde est désenchanté, il n'y a pas de... Il y a beaucoup de choses dont il faut s'émerveiller, mais ce qui nous manque, c'est la capacité de s'émerveiller. Voilà où le consentement à l'émerveillement, parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de force obstinée, un acharnement, une âpreté. Un scepticisme. À refuser le réel et à refuser le donné, surtout. C'est-à-dire qu'au fond, on arrive dans un monde où les choses sont magnifiquement données. Et elles sont données, mais on peut s'en émerveiller à partir du moment où on consent à s'ordonner à quelque chose qui est plus grand que nous. Et au fond, c'est cette subjectivité exaspérée, narcissique, qui nous empêche de consentir à ce qui est plus grand que nous, et donc à recevoir la présence réelle et frémissante, sensible, à la fois immanente et transcendante de toutes les choses, à la fois évidente et mystérieuse. C'est important, ce mot, présence réelle. Oui, voilà. Ben, je crois que c'est un mot religieux. Oui, c'est un mot religieux. Je crois que si la poésie est un combat, en quelque sorte, un combat contre la profanation, un combat contre l'uniformisation des êtres et des choses, un combat contre la pensée qui serait exclusivement calculante. Contre la tristesse. Dans la tristesse, voilà, oui. Et la tristesse, c'est un péché. Enfin, je pense que la tristesse est le péché par excellence. Merci. Oui. C'est une très bonne information, Sacha. La tristesse, oui, c'est un péché, c'est, oui. Selon les... Oui, parce que c'est le péché qui engendre tous les autres péchés, finalement. Voilà. Alors, on va tout de suite aller avec vous, Didier Carrette, au texte de Luc-Olivier Dalganche, parce que la parole est bonne, mais le texte écrit est encore plus extraordinaire. Le premier extrait que vous avez choisi, que nous dit-il ? Alors, le premier extrait parle de la modernité. C'est une espèce de constat du monde qui est le nôtre, et que je trouve... extrêmement violent, parce qu'il y a beaucoup de violence, j'ai lu qu'Olivier Dalganche. Beaucoup. Et aussi, beaucoup. Il n'y a pas que cela, mais non. Il y en a aussi. Non, il y a une violence, pour retrouver la sérénité. Absolument. Ce n'est pas une violence gratuite. Absolument. C'est une violence pour trouver la sérénité et donner la sérénité. Absolument. Parce qu'on éprouve une grande sérénité à vous lire. Tout c'est... à fait. Ah, mais ça, j'en suis heureux. Et là, c'est un petit extrait de lecture pour Frédéric II, qui est un des textes que j'aime particulièrement. Les modernes espèrent peu. Ils revendiquent, ils planifient, ils n'attendent rien. Et ce n'est plus même l'impatience qui les caractérise, mais une volonté de se persuader eux-mêmes que tout doit être immédiatement à leur ressemblance. D'autrui, ils n'attendent rien, sinon qu'ils soient identiques à eux.
le mot d'ordre est « touche pareil ». Et c'est plus qu'un mot d'ordre, c'est une profession de foi. Mais de ce semblable parfaitement identique, il n'y a précisément rien à attendre, rien à apprendre. À l'horizon de cet humanisme moderne, aucune surprise, nul émerveillement. Toutes les aspirations sont supposées être identiques. Salaire, voiture, maison, vicaire. D'autant plus, gardons-nous la satisfaction d'en avoir un peu plus que le voisin. Mais si le voisin veut autre chose, s'il croit à ce qui ne peut se planifier, se comptabiliser, c'est alors un réactionnaire, un archaïque, un fou et sans doute un fort méchant homme, on en vient progressivement dans nos sociétés à ne presque plus rien pouvoir dire. Tout vexe, heurte, scandalise. Toute pointe d'idée suscite la réprobation. Celui qui pense dans l'accord avec ses prédécesseurs, celui qui songe avec Corneille ou Pascal, outrage, outrage presque en respirant. De la grande et belle liberté française, il ne reste presque rien. Si l'on dîne dans la classe moyenne, désormais il faut se brider, comme chez les talibans, et mesurer ses propos, comme chez les soviets. Tout ce que nous disons est volontairement mal compris. L'intelligence ne vole plus, c'est à peine si elle rase les murs. Ce monde soi-disant festif et éclaté est emmailloté de mille convenances absurdes selon les milieux dont on ne peut déroger sous peine d'excommunication. C'est une des raisons de notre entretien, chère Ombre, la disparition en France de l'art de la conversation. C'est qu'en effet, la conversation ne sert à rien. Elle ne participe point à la planification. Elle divague, libre, ne servant rien ni personne, se dissipe dans l'air où elle demeure, mystérieusement. Sans verser dans un mysticisme bizarre, il me semble en effet que certains échanges, lorsqu'ils se sont détachés du bruit ambiant, je veux dire, certains échanges assez aigus, assez gracieux, demeurent dans une sorte de mémoire de l'air, une sorte de mémoire seconde, dans l'air de l'air, comme disent les alchimistes, dans un éther d'où parfois ils nous reviennent. Il est des lieux, comme des personnes, qui nous inspirent, qui nous murmurent à l'oreille, qui favorisent le geste de nos pensées, comme il en est d'autres, qui nous abrutissent. Je gage que certains beaux esprits, en passant ici ou là, ont laissé, par-delà des décennies ou des siècles ou des millénaires, des traces, des signes d'intelligence dans l'éther. De cette expérience, je tire deux enseignements qui rejoignent ce que nous disions au début de notre propre promenade. Le premier est d'un ordre diététique. Il faut choisir ses fréquentations comme sa nourriture ou comme ses drogues. Certaines sont indigestes et funestes. Un homme libre est d'abord celui qui peut choisir qui il fréquente. Les implications morales de cette liberté sont vastes. Elle nous situe d'emblée au-delà des valeurs domestiques. Elle nous prédispose à comprendre les principes. Le second enseignement est de l'ordre de la géographie sacrée. C'est ici, et non ailleurs, qu'une sorte de bonheur d'être vient à nous. C'est ici précisément que telle intuition fondamentale se fait jour. C'est ici que les muses nous parlent, que nous entendons les voix sidérales des dieux. Pourquoi ici et non ailleurs, fût-ce juste à côté? C'est là une de ces questions à laquelle l'expérience me fait sans cesse revenir. Ce coin du monde, qu'il soit dans la nature ou dans la ville, ce coin précis, pourquoi en suis-je mystérieusement l'élu? Je l'observe, je tente de définir ses caractéristiques, mais rien ne semble le distinguer fondamentalement d'un autre. Ce qui le distingue n'est ni le calme, ni même la beauté, qui possède ses critères plus ou moins objectifs, non. Cet espace où l'existence s'éploie, cet espace où transparaît une vérité du monde, cet espace où les atomes de l'air frémissent d'une vie plus intense, cet espace qui est la réverbération d'une splendeur cachée, rien ne le distingue objectivement, sinon cette vertu, cette puissance intérieure
que je ne parviens pas à nommer ou à définir. Merci Didier Carrette, merci Luc Olivier Dalgrange. Ah oui, c'est une expérience extraordinaire d'entendre ce texte et d'entendre ce sur quoi il reposait sans qu'on sache cette rhétorique profonde dont parle Baudelaire, sur lesquelles reposent nos mots, mais sans qu'on en soit conscient. Voilà, comme un cours, comme un oiseau qui se repose sur la surface des eaux, mais on ne sait pas. Et là, je l'entends tout à coup. Alors, cette réflexion sur la modernité, elle vous est venue comment ? Vous avez toujours voulu vivre loin de ce monde. On ne vous voit pas sur le pavé germano-pratin. Oui, j'aime bien. Au fond, j'aime bien les distances. Tout est distance. J'aime bien. Il y a quelque chose de. La distance, mais pas l'illimité. Un infini, mais défini en même temps. Voilà, j'aime la distance, j'aime les grands espaces, les ciels étoilés, les paysages odysséens, et les distances même entre les êtres humains qui permet l'échange, qui permet justement l'attente, la tension, qui hausse la température du temps, étymologiquement encore, enfin, puisque nous apprenons tout par le langage, enfin, c'est notre langue qui nous donne à penser, qui nous fait penser. C'est moins nous qui nous exprimons, s'exprimer, ça n'a pas un grand intérêt, que la langue qui nous permet de penser, de penser en amont et en aval, dans la nostalgie, dans le pressentiment, mais offert à cette présence-là, à ce bien commun-là qui est dans la langue elle-même. Mieux comprendre le monde, c'est en quelque sorte le regarder de plus loin. Oui. Et se regarder soi-même de loin aussi. Ernst Jünger évoquait la vision stéréoscopique et la vision panoramique. Il disait qu'une de ses caractéristiques, d'ailleurs depuis l'enfance, c'était de voir la situation dans laquelle il se trouvait et en même temps de la voir au-delà, de la voir d'ailleurs. Oui, c'est exactement, vous avez merveilleusement raison de citer Jünger, parce qu'on sent absolument dans tous ses écrits ce détachement. Voilà. Il est au milieu de la guerre, il est au milieu des catastrophes, et on a l'impression qu'il nous regarde de sérieux. Voilà. Et c'est ça, et c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est à la fois du lointain, l'amour du lointain dont parlait Nietzsche ou Dostoïevski avant, et c'est en même temps la proximité extrême, c'est-à-dire le sens du lointain, c'est ça qui va nous donner le sens de la proximité extrême, alors que la promiscuité permet de voir ni rien, oui. Rien, voilà, c'est on est comme on est comme emmailloté, voilà, on ne peut plus, on a plus de vision. Oui. Second extrait, Didier Carrette, qu'est-ce que vous voulez nous... Toujours, je reste toujours dans le... Alors, dites donc, cet extrait de... Lecture pour Frédéric II. Oui, j'ai besoin d'avoir le livre entre les mains. Lecture pour Frédéric II, c'est un essai publié chez Alexis Pharmac. Et qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est... Lecture pour Frédéric II, expliquez-nous ce titre. Alors voilà, c'est un titre paradoxal, oui. Distant, puisqu'il n'est pas du tout question de Frédéric II. Mais il est question. Vous ne vous prenez pas non plus pour Voltaire. Non, pas du tout. Non. Mais c'est celui de Hohenstaufen. C'est celui de Hohenstaufen, oui, bien sûr. Et au fond. C'est pas Frédéric. Je pensais que. C'est l'adresse justement à quelqu'un de très très lointain. Voilà, je lui offre quelques considérations. Lointain et très proche. Et très proche, oui. À bien des égards. Voilà, donc. et puis, bon, voilà, il y a toute cette dimension sapientielle chez Frédéric II, toute cette méditation sur l'Orient et l'Occident. Sa présence aussi dans l'œuvre de Jünger, de Kantorowicz, de Stéphane Georg, etc. Donc ça me paraissait une protection. Une protection. Il faut toujours se mettre
sous la protection de quelque chose. Ben, voilà. Le monde est dangereux. Oui, de plus en plus. Alors, Didier. Donc ça, c'est une solution, peut-être. Soyons comme Cyrano, téméraire. Au-delà du courage que l'on répute parfois inconscient, alors qu'il n'est peut-être qu'une conscience extrême consumée dans son propre feu de lumière, fait la force de nos désinvoltures charmantes. Les temps de la témérité spirituelle sont revenus, comme les cerisiers en fleurs. Soyons téméraires d'aimer notre langue et notre patrie. Soyons téméraires d'aimer ce qui nous enchante et nous allège. Soyons téméraires d'envol et d'intelligence retrouvée avec nos maîtres d'armes et de mots. Soyons téméraires à devancer nos grandes idées qui nous suivent, comme le disait Nietzsche, sur des pattes de colombe. Soyons téméraires, car nous savons de sciences certaines et aiguës que nous avons tout à perdre et rien à gagner. Voici bien 2 siècles que nous avons laissé gagner nos ennemis. Et ceux-ci pourrissent dans leurs gains ou vont dans le sens de l'histoire comme des animaux morts au fil de l'eau. Voici bien 2 siècles ou 2 millénaires que notre témérité de perdant et perdu nous tient en la faveur des anges et des dieux. Pour le téméraire, le temps ne compte pas, ni le décompte des secondes qui nous rapprochent de la mort, mais le vif de l'instant, dénombrement perpétuel de l'infini. Par la preuve, par 9 des 9 muses dont parlait Jean Cocteau, nous sommes assurés de retrouver le nombre exact de nos syllabes et de nos amis, ceux qui nous aiment dans les prosodies du temps qui passe. L'innocence du devenir nous convainc de la pérennité de l'être. Ne déméritons point de notre seule témérité d'être. Rédimons les dieux bafoués par les temps moroses, les dieux qui dorment en nous, éveillons l'ange de la fleur du cerisier. Dans œcuménisme des racines, des branches, des fleurs, des parfums et des essences, éveillons l'ange de la pierre et l'ange du regard. Éveillons témérairement l'archange de la France. Ça, c'est très joli. C'est très joli et c'est si vrai, on a l'impression qu'il y a une crainte, il y a un frein sans arrêt dans chacun d'entre nous. Ah oui. Il y a un enseignement de la... On nous enseigne à craindre, on nous enseigne à avoir peur. Enfin, tous les messages que nous recevons du monde sont des messages terrorisants ou coercitifs. Coercitifs ou affaiblissants. Enfin, il y a une sorte de machinerie titanesque, au vrai sens où les titans s'opposent aux dieux, pour nous restreindre, hein, pour restreindre notre entendement, pour restreindre l'expérience sensible, pour restreindre le langage, et nous maintenir sous un joug, d'ailleurs, qui est indiscernable, qui a presque pas de nom, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'un joug qui serait clairement défini pourrait susciter la rébellion. En quelque sorte, là, c'est quelque chose de flou, c'est quelque chose de... Qui se cache. Oui, c'est quelque chose qui... C'est un totalitarisme feutré. Voilà, oui. C'est le totalitarisme parfait, c'est-à-dire celui dont ceux qui le subissent ne s'aperçoivent pas. Mmh. C'est-à-dire que là, évidemment, c'est une sorte de perfection. Bernanos l'avait annoncé, d'ailleurs. Vous le citez. Oui, dans le merveilleux livre La France contre les robots. Oui. Voilà. Dans 50 ans, ils seront toujours... opprimés, et ils ne s'en rendront même plus compte. Voilà, oui, c'est ça. C'est-à-dire que la guerre, on brûlait des livres, et maintenant, on fait en sorte que les gens ne puissent plus les comprendre. Oui. C'est plus terrible. Ce qui est beaucoup plus efficace. Oui, absolument. Parce qu'il y avait un côté... D'abord, on leur interdit d'apprendre à lire, voilà. Et ensuite, voilà. On n'édite pas les pensées intéressantes, et 3, ils n'ont plus les moyens intellectuels de les lire. On les jette dans une stupeur, dans une distraction, dans une sorte de délitement qui fait que, même physiologiquement, les gens n'arrivent plus à lire. Alors évidemment, ça c'est une comble de censure
c'est la censure qui se réalise radicalement. Mmh. Parce que les anciennes censures qui consistaient à détruire matériellement des ouvrages, c'est rien, oui, étaient quand même extraordinairement naïves et, oui, oui. et inopérantes. Oui. C'est, alors maintenant, avant il y avait la censure par coupure, maintenant il y a la censure par noyade en quelque sorte. Ou alors on noie les choses. C'est-à-dire, voilà. Oui, on est dans un univers liquide, il n'y a plus, oui, 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 plus rien de solide auquel s'attacher. Voilà, oui, oui, oui. Voilà, et puis l'uniformisation, ça vous ah oui, ça, c'est vous une, en parlez beaucoup, c'est l'uniformisation. Une, c'est une grande idée, puisque, enfin, c'est une grande crainte, enfin, c'est une constatation. Il y a un processus d'uniformisation, c'est-à-dire de l'interchangeable. C'est-à-dire qu'il faut que les êtres et les choses deviennent interchangeables. Donc, et soit par un processus d'érosion, soit par une volonté orchestrée, soit par une coercition violente, il y a une tentative d'uniformiser, c'est-à-dire qu'au fond, de faire des êtres humains des objets de série. Enfin, c'est-à-dire que la différence entre l'objet artisanal, chacun était unique, oui. Voilà, alors que l'objet de série est interchangeable, et donc la phase prochaine, c'est de faire des êtres humains des créatures interchangeables. Et alors, le paradoxe, c'est que c'est l'individualisme, c'est que c'est une sorte d'idéologie individualiste qui était extraordinairement favorable, puisque c'est des individus interchangeables. Donc oui. On dit « réalisez-vous » et en réalité, on les oblige à être comme le voisin. Voilà, voilà. Donc l'individualisme de masse, oui, en quelque sorte, là aussi, est plus, c'est très paradoxal, est ça, plus, oui, efficace que le collectivisme, oui, qui finalement n'a pas été très efficace sur le plan de l'uniformisation des êtres et des choses. Non, on n'a qu'à voir les Russes et les Polonais, voilà, ils ont et les Serbes et les Slovaques et tous ces gens-là, voilà, qui ont retrouvé, eux, une âme, une énergie. Une énergie, une témérité, voilà, qui ne doutent plus de rien. Bien sûr, ils bien sont sûr. Sûrs d'eux. Voilà. Et une singularité même. Alors les individus, pour le coup, redeviennent singuliers. Il y a une distinction d'ailleurs d'Ernst Jünger très intéressante aussi, où il distingue l'individuum du Einzelne, ce qu'il appelle le Einzelne. Voilà, c'est deux mots allemands qui désignent l'individu, enfin, un mot latin et un mot allemand. Et le Einzelne, ça serait en quelque sorte l'unique, enfin, mais l'individu qui est caractérisé par tout ce qui fait qu'il est lui, en quelque sorte, ça, oui, et qui ne peut jamais être exactement identique à celui du voisin. Mais ce qui inclut évidemment ce par quoi il est fait, c'est-à-dire que le ciel, la terre, les hommes, les dieux, le passé, son la nature de ses combats, de ses engagements, de ses songeries, de ses contemplations, etc. Et alors là, autre paradoxe, c'est que le Einzelne, enfin l'individu au sens différencié du terme, l'unique, il revient au bien commun, c'est-à-dire qu'il ressuscite le bien commun en quelque sorte. Et ça, bon, justement, on voit ça dans les grandes œuvres littéraires, les grands écrivains auxquels je me suis attaché, qui sont avec lesquels j'ai conversé, qui sont une sorte une sorte d'amitié stellaire. Oui, on a l'impression que vous êtes sans arrêt. C'est merveilleux parce que dans tous vos livres, vous parlez à des écrivains, vous les faites intervenir dans vos écrits. On a l'impression qu'ils sont à côté de vous. On a l'impression qu'on est comme dans un atelier d'artistes, vous savez, ces ateliers d'artistes où on voit à la fois tous les peintres d'une époque qui sont réunis. On a l'impression que votre atelier d'écriture est comme cela. Oui, 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 oui. Ben, je crois qu'au fond, toutes les œuvres qui importent, finalement, presque, sont des conversations. C'est-à-dire que l'écrivain suscite une conversation, attend une conversation de la part de son lecteur et nous invite à une conversation. Et alors, aussi misanthrope que puisse être un écrivain, aussi individualiste et farouche, finalement, c'est celui qui provient le mieux du bien commun, finalement, puisqu'il vient de la langue elle-même. Il n'est jamais qu'un embranchement, une radicelle, une feuille d'un... Et même en étant misanthrope,
Il est extrêmement généreux, oui. Puisqu'il nous fait mieux comprendre notre moi profond. Voilà, puisque le prof d'un écrivain, d'un grand écrivain, c'est de nous expliquer notre âme, c'est de notre pensée, notre cœur. Et quelque part d'être un révélateur. C'est un révélateur. Mmh. C'est un frère ou une sœur. Mmh. Et c'est l'impression que j'ai en lisant vos livres, c'est de comprendre des choses qui étaient diffuses en moi mais que je ne saisissais pas. Et vous m'expliquez, c'est fantastique. Autre. Alors, extrait, Didier Carrette. Là, c'est au même éditeur, Alexis Pharmac. Et c'est l'ombre de Venise. Oui. Est-il beaucoup question de Venise ? Peu aussi. Mais par contre, il est question de Nietzsche qui avait pensé intituler Le Gai Savoir l'ombre de Venise. Ah, voilà. Donc c'est un hommage à c'est Nietzsche. Ce titre qu'il avait abandonné. Et comme j'avais convoqué un voyageur et son ombre comme dans Nietzsche. D'accord. Sans doute, pour reprendre la boutade de Sacha Guitry, il n'est point de meilleure façon d'être de son temps que d'être contre son temps, tout contre. Il me semble d'une façon générale que l'homme moderne est posé, pour ainsi dire, à côté de son époque. Il la considère comme meilleure que toutes les époques antérieures, mais il ne voit pas son temps. Il ne l'éprouve point dans son horreur, dans son éclat. Le moderne croit que son époque favorise l'égalité, le respect de la personne humaine, la raison, etc. Alors que de toute évidence, notre siècle est le siècle des exterminations, des inégalités les plus criantes et de l'obscurantisme le plus noir. Le moderne croit que son temps voit progressivement l'extinction des despotismes, alors que le pouvoir de détruire, de contrôler, de manipuler n'a jamais été aussi grand. Tout ceci me donne à penser que l'homme moderne est un homme qui ne vit pas dans son temps, un homme qui se caractérise par un degré particulièrement faible de présence au monde. Quant à son esprit critique, tant vanté, il est réduit à rien. L'homme moderne a cette étrange faculté de tout voir, de tout entendre, mais de ne rien regarder ni écouter. Les informations qui circulent rencontrent un entendement absolument passif. Il vit dans un ressassement de mensonges et ne tire aucune leçon de rien. L'homme moderne ne vit point la modernité, il songe hypnotisé à côté d'elle. Devant les écrans qui s'interposent entre lui et la réalité, il se lasse doucement de vivre. Les écrivains de la modernité, dont en effet je me réclame, tels que Joyce, Witkiewicz, Pessoa, Bielli, Pound, Artaud, Junger, Abellio, etc., se caractérisèrent précisément par leur audace à entrer avec violence dans leur époque, à se confronter à son abomination et à tenter de s'en rendre victorieux. Tous les grands écrivains du XXe siècle furent de ces horribles travailleurs, pour reprendre le mot de Rimbaud, acharnés à empêcher la schématisation du langage et de la pensée. Je lis ces œuvres comme des actes de résistance et de contre-attaque. Lorsque le monde tombe sous le contrôle, se planifie, se rationalise, les écrivains deviennent chamans guerriers, chevaliers gnostiques. Ils interrogent les théologies, les mythologies, se relient au passé par mille radicelles subtiles. Lorsque le monde se réduit au schéma grossier de la production et de la reproduction, les poètes entrent en clandestinité et retrouvent le sens des extases et des prophéties. Merci. Ça aussi, c'est un très joli texte. Et très, très beau. Qui souligne cette mission de l'écrivain et du poète, qui est quand même bien autre chose que le prix Goncourt en septembre. Est-ce que, si je vous dis Philippe Muret, est-ce que vous l'estimez comme un frère ou est-ce que vous... Ah oui. Bah, Philippe Muret, c'est quelqu'un qui aurait à la fois qui serait à la fois notre Juvénal et en même temps notre Voltaire et notre Léon Blois en même temps. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et puis il a fait. Alors,
en parlant d'horribles travailleurs au sens rébaldien, oui. Il a fait ce travail horrible, c'est-à-dire oui. de se confronter jusqu'au moindre détail à des formes de tartufferie, de bêtises, mais qui défient la caricature. C'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est d'autant plus difficile que les exemples qu'il cite. Enfin, l'ironie devient impossible. C'est-à-dire l'ironie, la satire devient presque impossible. Il l'a fait au moment où elle était encore possible. Et avec une générosité immense. Puisque on n'a pas à le faire. Enfin, je veux dire, il l'a fait. Quoi. Absolument. Oui, oui. Il l'a fait. C'est presque une sorte d'apostolat et de chemin de croix, enfin, d'avoir fait ça. Enfin, et puis bon, il a peut-être la poésie en moins. Il a peut-être moins ce sens du champ du monde que vous avez. Oui, oui. Vous écrivez de la poésie. Oui, oui. Oui. Ce que lui n'a pas fait. Vous êtes vraiment un enchanteur. Merci. À Philippe Muret, ben, en même temps, c'est lui qui permet ensuite de retrouver les enchantements une fois. Pourfendu toutes ces aberrations. Et... Encore un autre ? Alors, un autre. Trésor ? Oh, il y en a tellement. On va parler toujours dans l'ombre de Venise, d'un auteur que Luc Olivier, je sais, chérit entre tous, c'est Pessoa. Oui. Le grand poète portugais Pessoa. L'œuvre de Pessoa commence enfin à être, sinon connu, du moins accessible. Or, Pessoa se montre, par l'arborescence de ses hétéronymes, par la vigueur polyphonique de son œuvre, par sa radicale liberté de ton, de style, de pensée, qui le livrerait, comme d'ailleurs Baudelaire, Flaubert et tous les autres, à un permanent lynchage médiatique, s'il n'était devenu par chance, et d'une courte tête, des classiques, avant l'établissement planétaire du politiquement correct. L'auteur, donc, Pessoa, par excellence, du dépassement de l'individualisme et du collectivisme. Pessoa ne cherche point à s'agréger par manque d'être à une communauté plus ou moins vaste qui lui conférerait la réalité ontologique qui lui fait défaut, comme ce fut le cas de bon nombre d'écrivains tentés par le fascisme ou le communisme. Non. Pessoa décide souverainement de porter en lui la communauté des poètes et des aventuriers, des métaphysiciens, des pâtres, des conquérants, des prêtres, des guerriers qu'embrasse sa tradition poétique et impériale. Pessoa réinvente l'impérialisme des poètes, qui est un impérialisme maritime et céleste. Il n'a nul besoin de se fondre dans une communauté, car cette communauté vit en lui. Le poète métaphysicien est l'hôte de la tradition, au double sens du mot « hôte », à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. Le poète métaphysicien est récipiendaire d'un ordre où son individualité se décline selon la loi des correspondances et des gradations. Être homme de la tradition, avec un grand T, c'est porter en soi non seulement la mémoire, les actes et les œuvres des prédécesseurs, c'est faire de cette remémoration déférente un acte de création. Si nous ne sommes pas seulement ce moi circonscrit par le déterminisme biologique et sociologique, si d'autres possibilités subsistent, d'autres aventures, d'autres gloires, alors le poète ne témoignera pas seulement pour sa subjectivité, ni même seulement pour sa tribu ou pour son clan, mais il pourra être, le cas échéant, si les neuf muses le considèrent avec une égale attention bienveillante, une littérature à lui-même, à lui seul. Ce fut l'ambition de Pessoa, être à lui seul une littérature nationale, et mieux encore, une littérature impériale. Ce processus, j'aimerais faire comprendre qu'il n'a rien d'extravagant et que tout devrait nous porter désormais à le considérer comme exemplaire. Au moment où notre civilisation et notre culture se désagrègent, où le repli de chacun dans son clan exacerbe l'individualisme de masse en feignant de s'y opposer, il n'est peut-être d'autre recours que de porter en soi la tradition, que de rassembler en soi
les mémoires de plus en plus disparates et divergentes de notre culture. Le processus hétéronymique mis en œuvre par Pessoa n'a vraiment rien du banal jeu oulipiste. Non, ce n'est pas la notion de texte qui domine l'œuvre de Pessoa, mais la notion de pensée. Aussi divergentes que soient les croyances et les réponses métaphysiques ou antimétaphysiques des hétéronymes de Pessoa, le point d'appui n'en demeure pas moins celui d'un questionnement unique. Qu'il s'agisse de Ricardo Reis, d'Alvaro de Campos, de Bernardo Soares ou de Pessoa lui-même, ce sont toujours des méditations où l'entendement s'interroge lui-même sur l'être, le néant, le possible. À cette interrogation lancinante, toujours identique à elle-même, les hétéronymes apportent des réponses différentes, mais cette diversité même renvoie au cœur de l'interrogation centrale, invariable, abyssale. Le lecteur doué d'une oreille fine ne tarde pas à entendre, par-delà l'éclectisme apparent, une musique unique, persistante. Les hétéronymes sont nombreux, les réponses philosophiques qu'ils proposent sont variées, mais le questionnement est le même. Et c'est ce questionnement qui donne leur saveur propre aux poèmes et aux essais. Merci Didier. Hétéronyme, est-ce que vous pouvez préciser pour beaucoup nous donc, qui... Pessoa, avec cette idée d'être une littérature nationale à lui tout seul, c'est subdivisé en différents écrivains. En différents auteurs. Oui. Voilà. Mais c'est le propre de toutes les grandes œuvres, voilà, d'être compris par le plus grand nombre, du fond de l'Orient jusqu'à l'Occident. Oui, voilà. Et donc là, il crée ce... En fait, il fait une œuvre à facettes, en quelque sorte. Avec des styles et des, voilà, et des personnages. Voilà. Donc il invente totalement opposé. Voilà, il porte un peuple d'écrivains en lui, donc les écrivains totalement contradictoires. Il y a Alvaro de Campos qui est un futuriste, anarchiste, etc. Il y a Ricardo Reis qui est un panthéiste virgilien qui écrit des poèmes extrêmement, extrêmement simples. Et il y a celui qui fait le livre de l'intranquillité, je ne sais pas qui l'a attribué, je me souviens plus. Alors quel livre de Pessoa vous nous conseillez de lire? Je n'ai jamais lu de Pessoa les poèmes, la poésie, les poèmes qu'il a attribués à Alvaro de... Alors il crée des disputes d'ailleurs entre... C'est différent. Qui s'oppose. Qui est d'ailleurs une dimension théâtrale extraordinaire, ouais, c'est-à-dire qui fait de son esprit interne. Parce que pour Pessoa, on ne peut pas être exclusivement dévoué à la représentation qu'on se fait de soi-même. Non, c'est trop petit. C'est trop petit. Et portait en lui à la fois la fougue conquérante futuriste, une sorte de grande mélancolie lusitanienne. Sur le retour possible de Don Sébastien, et l'attente, le roi disparu. L'attente. Et ça, c'est peut-être le cœur de l'œuvre, finalement, parce que là, il n'y a plus cette contradiction. Bon, l'un sera futuriste, l'autre sera monarchiste, l'un sera... Ça. Mais par contre, l'attente du roi caché... Oui. Tous ces hétéronymes le ressentent et créent une sorte de dispositif qui permet cette attente-là. Aussi bien le futuriste que l'archaïsan virgilien attendent le retour du roi qui viendra sur le Tage par un soir de brume. Voilà. Il faut peut-être préciser ce qu'était Sébastien, c'était roi du Portugal. Qui s'est battu contre les morts au Maroc, et dont le corps, qui a été tué, et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Ah, oui. Et toute une légende s'est formée, peu de temps après, le Portugal va être annexé par l'Espagne, par la couronne espagnole, et il y a toute une légende qui entoure ce personnage extraordinaire de Don Sébastien, qui un jour reviendra, et qui redonnera au Portugal sa splendeur passée. Merci, c'est très...
significatif. Un autre auteur aussi que j'aime beaucoup, qui est Lobo Antunes, qui est un auteur portugais contemporain, dans un de ses merveilleux romans qui s'appelle Le Retour des Caravelles, parle de cette attente encore aujourd'hui qui est là et qui persiste. Alors à propos de Caravelle, il y a un très joli texte que vous avez écrit, Luc-Olivier Dalgange, qui s'appelle « Les grandes âmes sont odysséennes ». Qu'est-ce que la grandeur? Par quelle aspiration pouvons-nous le sens de la grandeur? Le poème épique, celui d'Homère en particulier, répond à cette question par le voyage, lorsque ce voyage est au sens exact initiatique. Le héros ondoyant et divers navigue, car naviguer est nécessaire et qu'il n'est point nécessaire de vivre. Toute la différence entre la vie magnifique et la survie est dite en ces quelques mots. Naviguer est nécessaire. Il ne s'agit point tant d'atteindre à la grandeur que d'être digne de la grandeur qui nous environne. L'homme moderne aspire à des réalisations colossales, comme le sont également sa bêtise et son outrecuidance. Les temples de Delphes et d'Épidore, l'architecture romane, leur fille conquérante de l'invisible, témoignent d'un autre sens de la grandeur. Voilà pourquoi j'ai choisi, pour illustrer votre présence, Luc-Olivier Dalgange, ce tableau que vous aimez beaucoup, donc la barque mystique de Dylan Rodon. Je trouve ça très beau, cette idée de « naviguer est nécessaire ». Oui, c'est cette phrase qui avait été prononcée, je crois, par Pompée, qui devait rejoindre une mission difficile, ou essayer de l'en dissuader. Il a dit naviguer est nécessaire, mais il n'est pas nécessaire de vivre. Alors c'est une phrase qui a voyagé, justement, qui a navigué aussi à travers le temps, et qu'on retrouve dans une très belle chanson populaire portugaise actuelle. Ah oui. Oui, qui a été reprise par différents. C'est normal, ils sont des grands navigateurs. Espéciso, vive, enfin je ne sais pas exactement. Et voilà, alors on la retrouve aussi chez D'Annunzio. D'Annunzio la reprend dans Laus Vitea, dans son éloge de la vie. On la retrouve. Et chez Pessoa aussi, évidemment. Il cite cette phrase et une sorte de mise en demeure extraordinaire qu'on se fait à soi-même, qui nous est faite par le monde, de redevenir odysséen, c'est-à-dire de voyager pour revenir, d'aller le plus loin possible pour le retour, qui est d'ailleurs le sens même de la lecture d'un texte, finalement. Enfin, quand on lit un texte, c'est une aventure. On part en voyage. C'est une aventure. On s'embarque. C'est une aventure. On le dit d'ailleurs, on s'embarque. On s'embarque. C'est dans un livre. Voilà. Et il y a le côté. Et puis, bon, Homère, c'est à la fois le fondateur de la poésie, du roman et de la pensée elle-même. Enfin, je pense que toute pensée philosophique a quelque chose d'homérique. Hein. C'est l'idée de revenir au pays natal, c'est-à-dire au sens, après la traversée des périls, après l'expérience de la pensée, de la vie et du langage. L'expérience, d'ailleurs, c'est étymologiquement, c'est expéri, c'est la traversée d'un danger. Donc toute expérience est odysséenne en soi, disons, dite par l'étymologie elle-même. Vous rejoignez là un des écrivains que nous aimons beaucoup à TV Liberté, qui est Dominique Venner. Oui. Pour lequel l'alpha et l'oméga étaient dans l'Iliade et l'Odyssée. Et l'Odyssée, bien sûr. Et d'ailleurs, enfin, et à un point d'ailleurs, la bibliothèque d'Alexandrie qui avait été brûlée, oui. On a la liste plus ou moins des ouvrages qui ont été brûlés, mais elle était aux trois quarts constituée d'herméneutique de l'Odyssée, c'est-à-dire d'études, de variations sur l'Odyssée, de réflexions sur l'Odyssée. Toute une dimension ésotérique d'ailleurs. Voilà. Sur l'Iliade et l'Odyssée. Voilà, c'est-à-dire que, puisque c'est l'aventure même de la conscience qui revient à elle-même après avoir traversé des épreuves, enfin, bon, c'est une sorte de magnifique métaphore de l'existence elle-même,
mais de l'exercice même de la pensée. Et alors on a retrouvé quelques fragments, il y a notamment celui de Porphyre. Voilà, qui fait une interprétation du passage dans l'antre des nymphes. Voilà, mais c'est juste un fragment. Donc cette espèce d'immense bibliothèque odysséenne, il nous reste à la réinventer. Voilà, Vous évoquez aussi très joliment le temps des titans et le temps des dieux. Oui, pouvez-vous préciser cette idée nous sommes redevenus dans le temps des titans, voilà, qui est celui de la barbarie. Oui. Alors, ce qui oppose les dieux aux titans, c'est finalement ce qui oppose la légèreté à la pesanteur. Au bout du compte, et comme disait Céline dans son entretien, c'est Ariel contre Caliban, c'est la légèreté contre la pesanteur. Il dit aussi que les hommes sont lourds. Voilà, les hommes sont lourds. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont encore plus lourds. Oui. Jusqu'où vont-ils s'arrêter ? C'est comme si les atomes s'étaient rapprochés les uns des autres pour nous faire... Pour nous plomber. Et les dieux appartiennent quand même de l'ordre de la légèreté. Le monde titanesque, voilà, c'est celui de la technique, au fond. Hein. C'est la pensée de la planification. C'est celui des sculptures soviétiques. Voilà, des sculptures soviétiques, des tours, ouais. des grandes machineries planificatrices. Des sculptures, d'ailleurs, aux sculptures, il y a une exposition qui s'appelle Monumenta. Voilà, oui. On est dans l'exemple exact de ce que vous dites. Voilà, oui. C'est la démesure aussi. Ouais. Hein, c'est-à-dire que les dieux connaissent la folie, les dieux connaissent la fantaisie, les dieux connaissent le caprice. Mais au titan revient la fonction terrible d'instaurer la démesure et de faire presque de la démesure une norme. Et... c'était admirablement. C'est une thématique qui court de façon très, très, très constante, très précise, avec toutes sortes de variations passionnantes dans l'œuvre de Junger, qui a vu apparaître en fait le monde des titans, enfin, qui a vu l'accomplissement du monde des titans. C'était à son époque que ça s'est joué. Oui. Nous arrivons à la fin de cette émission, Luc-Olivier Delgange et Didier Carrette. J'ai envie de vous demander comment est née votre vocation d'écrivain ? Ah, j'ai commencé à écrire très tôt et j'ai été encouragé par la bienveillance d'un professeur extraordinaire que je profite de le nomme, c'est Jacques Delors, et qui était un professeur extraordinaire. Voilà, Jacques Delors, le... Aucun rapport avec l'homme politique. Non, pas du tout. Il s'appelait Jacques Delors aussi. Il s'appelait Jacques Delors aussi, qui a écrit un très beau livre sur la poésie. Sur Rimbaud, sur René Char. Ah, voilà. Oui. Et il a été votre éveilleur. Voilà, oui. Et voilà, il avait quelque chose d'extrêmement généreux, d'encourageant. J'étais un élève plutôt indiscipliné, turbulent, etc. Et voilà, je me souviens la première fois qu'il est apparu, il nous a lu avec une justesse extraordinaire, un poème de René Char de Saint-Jean-Perse. Voilà. Voilà, chers amis de TV Liberté, vous avez compris que Luc-Olivier Delgange est un grand écrivain et un personnage qu'il faut suivre, comme le joueur de flûte. Je cite quelques-uns de vos livres. Lux Umbra Dei, chez Arma Artis. Ce sont des maisons d'édition que vous avez créées ou qui existent ? Non, c'est une maison d'édition qui existe depuis une trentaine d'années, qui a été fondée par Jean-Marc Tapier de Céléran. Et qui a publié principalement des textes de mystique, des textes sur l'alchimie, des rééditions de Jacob Boehm. D'accord, dans lequel vous avez donc toute votre place. Voilà. L'autre titre qui est magnifique, c'est « Le chant de l'âme du monde ». Très, très beau poème. Imaginez que les âmes chantent, c'est même une idée de poète. Merci. Donc toujours édition Arma Artis. Et puis votre blog, enfin, Oui. On peut aller vous retrouver sur, voilà, comment sur les cahiers de la Délie. Les cahiers de la Délie, alors. Expliquez cette... Les cahiers et de la Délie tout en accroché.
Oui, je pense que de la dédie, comme la dédie de Maurice Sèvres, c'est un hommage à Maurice Sèvres, voilà, qui est poète à la fois baroque, français, avec une dimension sapientielle. Et, qui signifie ? Alors la dédie, c'était probablement, chez Maurice Sèvres, l'idée. L'idée, mais l'idée dans une, manifestée dans une forme féminine, comme, de, comme la Sophia, enfin, comme la sagesse, et auquel il a dédié des poèmes très resserrés, très mystérieux. Et voilà, c'était l'idée de, d'un hommage à ce moment-là de la littérature française baroque, au fond, Sèvres, Honoré d'Urfé, du Bartas, etc. Il y a aussi une période charnière où les forces se rencontrent, où la raison se laisse enchanter, se laisser encore enchanter. Vous savez admirer, vous avez de grands trésors d'admiration. Oui, oui, oui. C'est... Et c'est à cela qu'on on reconnaît souvent une grande âme. Merci beaucoup, Luc-Olivier Dalgange, d'être venu du sud de la France. Voilà. Pour les téléspectateurs de TV Liberté, merci beaucoup, Didier Carrette, d'avoir été l'ambassadeur de Luc-Olivier. Merci à Françoise Monestier de nous avoir mis en rapport tous les trois. Et vous êtes invités... dès que possible, dès que vous remontez. Ah, mais avec un très très grand plaisir. Au Kremlin-Bicêtre. Voilà, oui, oui. voilà, chers amis de TV Liberté, je crois que vous avez matière à réécouter, regarder, re-regarder, réécouter, parce que chacune des phrases de Luc-Olivier Dalgange est à faire résonner en nous. Merci beaucoup. Merci. Et à très vite, chers amis de TV Liberté.